Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir pour nous toutes, et non pas Seigneur, c'est Dieu. Et moi, je suis très content pour me capable ensemble avec nous. Jeudi, c'est vendredi qui 28 janvier. Et bien, moi, peut-être pour nous, une vidéo tout à fait spéciale, li concerné exclusivement les Haïtiens qui vivent en République et Dominicaine. Hier matin, et moi t'ai fait une vidéo pour me capable parler donc que gouvernement dans pays Saint-Domingue il prend décision pour capable doter haïtiens qui vivent en République Dominicaine de documents. Et moi recevoir et en pile message qui était pour moi, moi pour essayer répondre quelques messages ça yo et puis tout moi porter et quelques informations que me t'ai oublié ban nous hier et bien bral ban nous là. Et que quelques monde moi c'est Saint Thomas oui donc on est bien puis haïtien c'est Saint Thomas les auteurs d'un bagage yo pas quoi la donne et me songe ça qui t'est passé en 2014 le gouvernement dominicain t'est venu ensemble avec projet ça pour t'être capable venir avec plan national de régularisation il y a un pile monde qui t'est dit non c'est pas vrai c'est yo pas fait en vrai et puis après il t'est venu trop tard pour les voulait rentrer actuellement là. Et ou même cap suivre vidéo ça sous pas de documents dégagez ou cherchez un passeport. Et moi, je me demande quel type de passeport. On seul type passeport capable de gagner. Passeport qu'on gagne, TTT. D'ailleurs, pas diplomatique pour avoir un passeport diplomatique. Eh bien, passeport. Je me demande quel type de passeport. Passeport qu'on gagne. Passeport qu'on gagne et qui pas qui peut finir. Eh bien, c'est ça. Ou a besoin de passeport, ou a besoin d'acte de naissance. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas d'acte de naissance, c'est extrait d'archives qu'on gagne. Extrait d'archives, bon. C'est passeport. Acte de naissance ensemble avec carte d'identification nationale là. Il y a mon cap de qui est dans carte de... bon son seul ou gagné hein son seul carte d'identification nationale que nous gagnons en Haïti bien c'est lui même et mais dégage aux jeunes trois documents ça ou gagne 3 mois pour capable faire ça et nous dans mois février mars avril 3 mois ça ou gagne des vont pour capable enregistrer dans immigration ak n'importe monde qui travaille là c'est lui même qui pourra l'enregistrer. C'est lui-même qui va l'enregistrer. Par exemple, si c'est eux-mêmes qui allaient, ils prennent de plus leur document parce que quand ils pensent que c'est laisser et patron qui fait pour la plus facile de pouvoir le trois documents ça. Passeport, acte de naissance, carte d'identification nationale ou pour rien ensemble avec ensemble avec les gens. Par qui au par qui peut mon cap mettre doute dans tête ou cap dire c'est pas vrai que c'est là. Et Abinadel déjà signé résolution depuis mardi. Mardi que ce passé là, décision déjà prend. Et ça fait moi tourner ensemble avec vidéo ça encore, pas dans chita n'a perdu temps pour capable perdre opportunité ça. Et hier, yo publié nouvelle ça, quel avantage que haïtien yo pral gagner. M'bral tande, m'bral permettre nous tande. Yo l'autre fois encore directeur immigration qui a parlé de thème ça. Yo te bay quelques avantages que haïtien yo pral gagner. Ouais, journée jodi a sou malade, c'est pour l'hôpital c'est comme pour al dépenser ou bien al passer misère dans l'hôpital l'état. Et bien un avantage que gouvernement du pral gagner, c'est que moun que va travailler ensemble avec ou fol capable ba ou assurance médicale. Faut gagner assurance la payer assurance médicale pour les malades pour pas gagner problème pour aller dans n'importe l'hôpital, n'importe clinique ou veut pour l'hôpital pour aller prendre soin. Yon autre bagay encore, et les que vous avez traversé avec yon moun, yon révoqué ou yon supposé ba ou yon prestation, une prestation laborale, ça les liquidations, yon supposé liquide ou. Gen un pile moun ou mettre un pile tap traversé avec yon, c'est pas tout, c'est quelques dominicains qui gen conscience, et les que vous finissez de travailler avec yon, yon bon liquidation. C'est pas tout qui bon liquidation. Et mais actuellement là, yon pas de obligation pour yon capable ba ou liquidation. Et ça fait ouais, les Chinois connaissent ça très bien. Moun kap travaille avec Chinois, nous pas depuis nous gagne 2 mois et demi et Chinois avoue nous aller et mais c'est pour ça parce que depuis t'es déjà arrivé sous 3 mois dans n'importe travail et bien d'après loi travail et le code laboral et dans le pays Saint-Domingue depuis t'es déjà gagné 3 mois et bien et entreprise moun kap travaille ensemble après depuis la prévoco ou déjà gagné et prestation et laboral liquidation. Et ça fait, c'est à partir de 3 mois, l'on travaille ou officiellement employé travail là. Et c'est ça, Chinois reconnaît, qui fait que depuis 2 mois et demi, ils vont aller. Eh bien, tout étranger, principalement haïtien, depuis que ou fin inscrit, ou bien ou gain droit à toute bagaille ça. Eh bien, immigration fait qu'on est, le fait qu'on est, laisse ça, toute entreprise gagner pour être capable et aller d'accord ensemble avec loi immigration, enregistrer tout le monde qui travaille ensemble avec vous.
Immigration dit, depuis délai 3 mois que le gouvernement bail pour capable enregistrer nous, et ça fait sous pour que papier dégage. Depuis 3 mois que le gouvernement bail pour capable enregistrer et moun sa yo, et bien direction générale, il ban nous 3 mois pour nous capable enregistrer. Depuis 3 mois ça fin passé, février, mars, avril, et bien immigration dit qu'on ça c'est laisse ça pral commencer bon nous canet. Bon nous passer c'est un petit canet qui pral bon nous son contrat de travail pral bon nous pour 1 an. À partir de moi, je crois que moi, mes pral venir là, c'est là ça va pas commencer livrer nos canaux. Qu'on y a c'est enregistré, il y a enregistré nous qu'on y a 3 mois pour nous capable enregistrer nous. C'est là les 3 mois ça fait nous passer à partir de mois février, c'est ça immigration, la direction finale d'immigration annonce que initiera el proceso para otorgarle un estatus legal. Vencido el plazo de 3 meses otorgado por el gobierno. Ça veut dire que depuis 3 mois ça fin passé, c'est là ça va pas commencer livrer nous. Il va commencer étudier processus là parce que nous qu'on travaille ensemble avec lui, alors fin porter document ça au balai fol baou et fol baou la pas baou un contrat de travail. Les fin bon contrat de travail là, li supposé à l'enregistreur en la tesorería de seguridad social. Hein? Qui ça encore dit, m'bal ban nou, et annonce la fête, c'est après que le président, il était fin réuni ensemble avec le conseil immigration, blablabla. On paquet de cause et crédit, que ça, nous avons déjà parlé nous dans une vidéo, et que nous avons partagé hier matin, tout notre paquet de petits détails, ça, depuis hier matin, nous avons déjà partagé ensemble avec nous. Rete pour nous capable faire nous tendre de directeur immigration une autre fois encore, on va le faire nous tendre, et m'a dit nous tant pis s'il vous plaît. Pas dormi sous dossier ça. Si nous jouons opportunité ça, en pile là nous t'es déjà perdu en 2014, si nous retournons jouons opportunité ça pour nous capables de faire travail, nous parce que c'est pour 1 an que nous parlons de nos canaires, contrat que nous parlons de nous, c'est pour 1 an contrat de travail là, qu'on y a la lettre 1 an ça lui-même est fini, qu'on y a c'est au même qui pour qu'on ait pour aller renouveler. Pas depuis 1 an fini, il fini. Qu'on y a c'est au même souvelé pour aller renouveler, qu'on y a sous pas avlé et renouveler ou aller faire auto Haïti. C'est ça que le directeur immigration lui-même lui dit. Et il y a un monde qui t'a posé une question et lui dit, il t'attendait le directeur immigration t'a parlé, il dit il va commencer ensemble avec monde qui a un passeport et monde qui après monde qui a 4 d'identification nationale, du moins 4 électoral avec monde passeport. Il pensait ces détails, non, c'est tous les 3 documents. C'est tous les 3 documents. Qu'on y a, et lundi, on va commencer ensemble avec moun sa ou. M'pas connaît est-ce que yon tête, par exemple, si yon moun ta manqué document sa ou, m'pas connaît. Ça, c'est moun kap spéculer pour moun pa, et ben, par exemple, si Dieu va commencer ensemble avec moun sa ou d'abord, m'pense que si yon moun pa ta gen tout document sa ou, c'est ça que m'pense. M'pas dit ça pour yon moun al kimbe sa, et pour pas l'en faire document, tout ton gen document, et puis assurer, et puis sûr pour ou même pour capable bénéficier des processus là. Hein? Même pas connait si yo pral faire un genre sous patagain tout m'pa connait hein moi c'est moi qui spéculer là dégagez nous combien Jean-Jacques fait document nous pour nous capable bénéficier de nouveaux plans national de régularisation qui pral fait dans année 2022 ça moi invitez nous pour nous capable coûter et directeur une autre fois et directeur général immigration Enrique Garcia. Pero miren, ayer el presidente encabezó el Consejo de Migración. Fue una reunión de 12 a 2 de la tarde, 2 horas y media más o menos duramos, discutiendo una fórmula de cómo íbamos a viabilizar el registro de extranjeros, sobre todo haitianos, para mano de obra. Ayer felizmente la reunión terminó con una resolución que los próximos días será anunciada, ya será por el presidente o por el ministro de Interior, donde primera vez que hice la historia que seriamente vamos a comenzar a hacer un registro de nacionales haitianos. Porque ¿cuál es el problema con Haití? Es seguridad nacional de nuestro país. Reitero, con un país que es ingobernable, que son las bandas que mandan allí, mucho por traspasar la frontera nuestra y venir de este lado. Y nosotros tenemos que protegernos, proteger nuestra casa, que es República Dominicana. Pero denme detalle o lo que pueda dar sobre ese reglamento. ¿Cómo se va a proceder para el registro? Hay un programa que ya se había anunciado de que los
extranjeros se pueden registrar en la gobernación, una oficina que se iban a abrir, pero el extranjero, sabiendo que es ilegal, no se va a registrar. ¿Cómo es que opera eso? Sí, porque esa es otra cosa. El ministro de Interior está realizando un registro de extranjeros, pero ese registro no te da legalidad. Simplemente... Perdón, entonces ahí está la pregunta. Entonces, ¿cómo yo, que soy un extranjero indocumentado, voy a ir a una oficina del gobierno a registrarme sabiendo que hay un programa de deportación abierto? Bueno, convive las dos cosas. Pero ese es un programa. Ahora, este otro que se va a anunciar próximamente, sí te va a dar un estatus legal. Usted tiene 10 nacionales haitianos trabajando en su finca, en su construcción. Wow. Le vamos a dar la posibilidad, usted cumpliendo, claro, con una serie de requisitos, de que ya usted lo registre en migración. Y usted va a tener sus 10. Pero Luisín, usted, ¿y a los 4 que usted tiene la finca? Usted va a tener sus 10. ¿Cómo se registra? Mire, yo no quiero dar una información a priori que será el presidente o el ministro que debe darla, porque no ganarme la cancelación antes de tiempo. No hay problema. Pero sin darnos detalles, explíquenos al menos en qué se diferenciará eso de un plan de nacional de regularización, segunda parte. Porque lo que usted está diciendo es casi un plan de regularización. No, un plan de registro. Mire, ¿cuál es el mayor problema para nosotros? Se hizo, doctor, hace 4 o 5 años. Un plan nacional de regularización en el cual supuestamente 200,000 o 300,000 extranjeros, sí, indocumentados lograron por lo menos acercarse a la regularización. Entonces, lo que estoy planteando ahora es que si yo tengo 50 haitianos en mi finca de mango, yo voy a regularizarlo. Sí, la única diferencia es que, por ejemplo, ahora usted va a tener que tener un contrato que anteriormente no lo tenía. Si usted tiene sus 10 nacional en la construcción suya, porque usted es ingeniero, usted va a tener que hacer 10 contratos a ellos. Va a tener que inscribir una TCS, va a tener que solicitar... Pero si no tiene documentación, ¿cómo lo hacemos? La mayoría, el 90 o quizá más. Pero no vamos a comenzar con los que tienen pasaporte, los que tienen cédula haitiana y los que tienen acta de nacimiento haitiano. Pero vamos a optar por esos 3 documentos, aceptárselos los 3. Porque de alguna forma tenemos que comenzar a organizar este desorden. ¿Y qué tipo de documento, de qué tipo de... estatus migratorio se otorgaría? Carnet de trabajador temporero no residente por un año. Okay. Al año se venció el contrato, usted decidió no renovarlo, bueno, usted tiene que regresar a Haití. No. Si usted decide renovarlo y él cumple con los requisitos, se le puede renovar otro año. Sí. Merci tout le monde qui déploie tant pour être capable de suivre l'édition Nouvelle ça ensemble avec nous. Restez connectés et n'importe dans n'importe occasion et pour nous capables et continuer informer.